Bonjour à tous, aujourd'hui on va profiter du beau temps pour faire une petite salade de riz. Donc je vais faire cuire 2 verres de riz. Et pendant ce temps-là, je découperai les légumes. Allez, c'est parti pour la préparation des légumes. J'utilise pratiquement toujours cet outil quand je fais des salades et tout ça, quand je veux couper. Alors franchement, c'est magique. C'est un gain de temps pas possible. Donc voilà, ça y est, tous mes légumes sont coupés en quoi, 10 secondes. Pour un peu plus de gourmandise, je vais rajouter, bon j'ai que ça comme fromage, donc je fais avec ce que j'ai dans le frigo. Hein. Je vais rajouter des petits bouts de fromage dans la salade. Voilà, je vais faire des petits dés et puis je vais les rajouter à ce que j'ai déjà fait. Voilà. Dans mon placard, j'ai retrouvé du maïs, donc je vais en mettre un petit peu. Le reste, ça sera pour les filles et moi, c'est bon. Pour un peu de croquant, j'ajoute, là j'ai un reste de graines de tournesol, donc je vais les mettre. Voilà, tac. Bon, je vais m'attaquer maintenant à la vinaigrette. Voilà, j'ai mis tous mes ingrédients là. Et puis c'est parti. Alors, je fais tout au pif. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça dans un petit pot hermétique. Pas mettre ça directement dans la salade pour pas qu'elle soit cuite. Donc voilà ce que ça donne. Et en dernier tout, je vais mettre, il y a plus que c'est, j'ai ça, des graines de courge. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Et puis, je vous dis à très vite.